Elisabeth, may I now turn to you and ask you, as our most expert in Europe, to tell us what you can tell us about the example of European Union, which basically was built at the beginning on economic interest with the SECA. Are there best practices that we could share with our African partners and friends? Are there also bad policies that they could make the economy of? How can we somehow, have we arrived to Brexit? Is that something that could happen in Africa if we don't pay enough attention to the people who are going to be the first consumers and the first, I would say, beneficiaries of this agreement? So thank you for your wisdom on that. All right. Okay. Non, je ne vais certainement pas prétendre que l'Europe puisse donner des leçons à l'Afrique. Moi, je vais même dire le contraire. Je pense qu'il faut sortir de cette attitude qui consiste pour les Européens à avoir un regard, je dirais, paternaliste sur l'Afrique. Je pense au contraire que si on veut des relations franco-africaines et européennes, surtout africaines, qui soient à la hauteur des enjeux que nous devons affronter ensemble, alors il faut inventer un nouveau partenariat qui soit un partenariat d'égal à égal. Alors ensuite, qu'on s'inspire des bonnes pratiques, là, vous avez tout à fait raison, et qu'on cherche à tirer des leçons de ce qui n'a pas marché pour les Africains en Europe et pour l'Europe d'ailleurs, ce qui n'a pas marché en Afrique, ça, naturellement. Donc moi, je voudrais dire sur les relations, je voudrais insister sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, parce que on entend beaucoup dire en France que l'Afrique peut être pour l'Europe un cauchemar ou un rêve. Moi, ce que je constate, c'est que, en effet, les populistes en Europe, partout en Europe maintenant, insistent sur le fait que l'Afrique va être un cauchemar pour les Européens. C'est ça, leur fonds de commerce qui a toujours été d'ailleurs pour les extrémistes d'attiser les peurs sans jamais proposer de solution, prennent argument du fait que l'expansion démographique en Afrique est tellement supérieure à l'expansion économique que jamais, malgré le dynamisme de l'Afrique, on pourra suffisamment, en Afrique, créer suffisamment d'emplois pour absorber les demandes d'emploi des jeunes, et que donc, on parle de 200 millions de chômeurs, si on ne crée pas suffisamment d'emplois en plus par an, les extrémistes et les populistes disent tous ces jeunes vont soit alimenter encore plus l'insécurité et l'instabilité en Afrique, qui est quand même déjà grande, nourrir d'ailleurs les trafics, hein, ou bien alors déferler, ça c'est leur langage à eux, déferler sur l'Europe. Voilà. Alors, je ne crois pas que, du côté des Européens, on doive ignorer ces peurs. Je veux dire, le déséquilibre démographique qui existe, il faut évidemment le regarder en face. Mais les populistes, ils jouent aussi sur d'autres peurs qui viennent de plus loin, qui sont, pour les Européens, la peur du déclin, de la perte d'influence. Il en a beaucoup été question dans les discussions, hein, depuis hier. Les Européens doivent s'habituer à devenir des pays d'émigration, alors qu'ils ont été dans l'histoire des émigrés eux-mêmes. Ils doivent s'habituer à ne plus dominer le monde. Et du côté évidemment des Africains, il y a aussi vis-à-vis de l'Europe ce ressentiment quand même qui subsiste et qui là aussi il faut comprendre, hein, qui vient du colonialisme. Et du néocolonialisme qui a continué à sévir après les indépendances. Donc tout ça, ce sont des freins à un développement constructif des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais le problème, c'est que si ces peurs dominent, si on ne réagit pas contre ces discours qui sont attisés par les populistes, alors l'Europe se fermera de plus en plus à l'Afrique. Et si l'Afrique, par ses besoins que vous soulignez d'infrastructures, de financement évidemment important et rapide, hein,
se vend à la Chine, pour parler brutalement, il arrivera un moment où il y aura des dégâts considérables des deux côtés. Voilà. Et l'Europe risque alors durablement d'être dominée par les populistes, comme on le voit en Italie, ce qui alimentera, parce que les populistes sont incapables d'apporter évidemment des vraies réponses aux problèmes des gens, ça alimentera beaucoup de désillusions et donc encore plus de fermeture et de repli sur soi. Et du côté de l'Afrique, il arrivera bien, si l'Afrique, assurément, cède à la facilité du court terme d'avoir ses financements, il y aura un moment où on lui présentera la note quand même. Le surendettement, est un souci. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas de fatalité, au contraire, à ce cauchemar. Et je pense que l'Afrique et l'Europe peuvent, au contraire, avoir et bâtir ensemble des relations gagnantes des deux côtés. Et c'est ça, je crois. Comment ? D'abord, pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a des complémentarités évidentes. Quand d'un côté, on a une Europe vieillissante qui a besoin de main-d'œuvre et de forces vives, de l'autre côté, nous avons au contraire une jeunesse bouillonnante. On a évidemment aussi, en Europe, il y a pour l'Afrique des chances de formation, d'apport technologique. Donc on voit bien que ces complémentarités pourraient se conjuguer pour créer des synergies positives. Et puis, la raison de le faire, c'est qu'il y a des défis communs qui ne pourront être surmontés que s'il y a des stratégies coopératives entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est évidemment non seulement le défi de l'emploi des jeunes, mais les défis de l'intelligence artificielle, de toute la nouvelle économie, de la maîtrise des mobilités, parce que la mobilité s'accroîtra avec le développement, c'est démontré depuis toujours. Donc même si l'Afrique se développe plus harmonieusement qu'actuellement, de toute façon, la demande de mobilité sera plus grande. Donc nous sommes absolument condamnés à gérer ça ensemble. Moi, je crois qu'il faut une co-gestion de ces mouvements de population pour arriver à les réguler, à les maîtriser et à ne pas, justement, ne pas tout fermer, à organiser des voies légales de mobilité de part et d'autre. Et puis, évidemment, nous avons besoin de lutter ensemble contre toutes les formes d'insécurité et évidemment de relever le défi écologique. Alors, comment est-ce que, et je terminerai par là, comment est-ce qu'on peut le faire ? D'abord, il me semble que l'Europe et l'Afrique doivent prendre leurs responsabilités respectives. Voilà. Ne pas se rejeter, se renvoyer la balle, dire « c'est votre faute, c'est pas la mienne », on entend ça en permanence. L'Europe doit désormais investir davantage en Afrique, pas se contenter justement de faire du commerce, c'est-à-dire beaucoup d'acheter des matières premières, de les transformer en Europe et de les revendre, n'est-ce pas ? Ce qui ne crée pas beaucoup d'emplois dans les pays africains. C'est bien le commerce, mais on ne peut pas reposer simplement là-dessus. Donc des investissements du secteur privé. Malheureusement, l'aide internationale a beaucoup alimenté ce que vous dénonciez, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance et la corruption aussi en Afrique. Donc ça, c'est la responsabilité des Africains. J'insiste pas, vous avez beaucoup insisté là-dessus, mais c'est extrêmement important, évidemment. Et il me semble qu'on peut le faire en se saisissant d'une opportunité qui est devant nous, qui est la négociation des accords post-Cotonou. Bon, jusqu'à présent, c'est encore peu visible, mais il y a quand même cette échéance en 2020. Jusque-là, les accords de Cotonou, c'était une espèce de pot pourri où on avait mis ensemble tous les anciens pays colonisés, les Européens. Il faut absolument qu'on traite les questions de l'Europe et de l'Afrique séparément, avec, à mon avis, quatre exigences. D'abord, une stratégie politique qui soit définie et acceptée des deux côtés, c'est-à-dire un partenariat d'égal à égal, où des deux côtés, on met des propositions sur la table, où on ait des vraies discussions politiques entre responsables. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il faudrait des accords de coproduction dans les secteurs clés qu'on connaît tous, l'agroalimentaire, l'énergie, l'écologie, le digital, la santé, l'éducation.
il faut qu'il y ait absolument une banque ou une holding de banque pour sécuriser les investissements et assurer la mobilité du capital. Ça, les banques actuellement existantes, elles sont loin de faire de ces choses-là leur priorité. Et enfin, il me semble, comme le dit PEMED, mais Jean-Louis Guigon reviendra peut-être aussi beaucoup là-dessus, sur tout ça d'ailleurs, il faut qu'il y ait une fondation, comme il en existe en Asie, entre la Chine, le Japon et les pays du Sud de l'Asie, comme il en existe entre les États américains, une fondation qui mélange, comme on fait ici à la WPC, mais de façon permanente, n'est-ce pas, des experts, des chercheurs, des responsables politiques, des dirigeants d'entreprises, pour à la fois analyser le présent et penser l'avenir. Et dire, voilà, qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir maximiser nos chances ensemble. Et enfin, j'en terminerai vraiment par là. Non seulement il faut travailler sur l'économie, mais il faut travailler sur le dialogue culturel. Parce que la crainte des Européens, elle est aussi beaucoup identitaire. Et du côté africain aussi. Et donc, si nous n'arrivons pas, si vous voulez, si on continue à vivre avec l'idée qu'il y a un clash des civilisations, qu'on mêle la religion à tout ça, de surcroît, avec beaucoup d'amalgames, hein, on n'en sortira pas. Il y a surtout un clash des ignorances, comme disait un philosophe bien connu. Et donc, nous avons le devoir, sans gommer les différences, parce que c'est une richesse, me semble-t-il, les différences, mais de voir ce qui nous rapproche, et entre Européens et Africains, Il y a l'histoire qui a eu aussi ses bons moments. Il y a des liens humains, surtout, qui sont une richesse formidable et dont on ne profite pas suffisamment. Et il me semble que tout ça, ça nous devrait être davantage dans le débat public. On n'entend parler que de catastrophes. Moi, je vous dis, parce qu'à la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures euro-méditerranéennes, on mesure ça dans des grandes études depuis 10 ans, des études qu'on fait tous les 3 ans, nos sociétés attendent que l'on mette en lumière justement ce qui nous rapproche et pas ce qui nous divise. Et quand on leur demande les problèmes qui sont exploités constamment dans le discours populiste, est-ce que c'est ça l'essentiel? Nous, on a mesuré ça. Les gens répondent oui, c'est vrai, c'est des problèmes. Hein. La guerre, le terrorisme, le racisme, la xénophobie. Mais entre nous, ce n'est pas l'essentiel. Donc là, je crois, moi, ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est que vraiment, il y a les problèmes de l'Europe, c'est une chose, il faut qu'elle les règle. Je pense que l'Europe s'est révélée beaucoup plus résiliente qu'on ne pensait au départ vis-à-vis du Brexit, qui sera plus un problème pour le Royaume-Uni, beaucoup plus pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne, même si c'est un affaiblissement, objectivement, pour les deux. Et je pense que là, nous n'avons pas en réalité d'autre choix que d'essayer de travailler davantage ensemble, encore une fois, dans un état d'esprit différent de celui du passé et malheureusement encore un peu d'un certain présent. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette analyse générale qui pose bien le cadre de notre discussion. Je relève un point en particulier, qui est celui de la renégociation des accords de Cotonou. Parce que c'est vrai qu'il faudra sans doute veiller à ce qu'elle accompagne, voire même elle conforte la mise en place de cet accord de libre-échange. Et c'est un des sujets sur lesquels il faudra certainement porter l'attention.